Salut, c'est Vikang. Donc là, si vous avez cliqué sur le lien, vous êtes normalement sur une page non répertoriée avec la suite du tutoriel. Donc je vais tout de suite vous expliquer à quoi ça va servir pour ceux qui voudraient la regarder entièrement ou pas. Donc dans cette vidéo, je vais tâcher de vous montrer comment on transfère son argent jusqu'à son compte PayPal. Donc j'ai préparé un code parce que 1 minute 15 d'appel, je l'ai fait avant l'enregistrement. Donc j'ai le code sur moi, je vais le valider et on va le transférer sur notre compte PayPal. Donc tout ça, je vais vous le montrer dans la vidéo. Et en même temps, je vais répondre à 2-3 questions. Voilà, chose étant dite. J'ai pas besoin de rappeler, pour ceux qui se demandaient comment on crédite mon compte, je l'expliquais dans la vidéo, donc celle d'avant. Donc bien évidemment, vous mettez le code ici, vous faites OK. Après, 1,35€ va s'afficher normalement là. Donc à partir de là, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à faire mon compte. Ah oui. Juste petite parenthèse, je reviens dans créditer mon compte, voilà. Les SMS ne marchent plus. Dans l'autre vidéo, je vous avais dit que les SMS marchaient, mais à l'heure où je vous parle, ça fait plus de 6 mois. Et le site a bien changé en 6 mois, donc les SMS ne marchent plus. Donc malheureusement, il n'y a plus que l'appel. Je suis désolé. Donc, une fois que vous avez fait ceci, alors là, c'est pas très très simple. Vous allez dans mon compte. Bon, d'accord, je vous l'accorde, quand vous savez pas, c'est peut-être un peu compliqué, mais en cherchant bien, vous pouvez trouver. Et là, normalement, vous devrez trouver quand même. C'est juste marqué en gros. Donc là, vous allez faire demander un paiement. Donc, vous avez mis votre code, vous avez 1,35€. Attention, on peut demander un paiement qu'à partir de 1€. Si vous avez moins d'1€, vous ne pourrez pas demander. Bien sûr, vous pouvez faire autant de codes que vous voulez, tout ça, tout ça. Donc, demander un paiement. Alors ici c'est le petit formulaire, donc le site prend 2% de votre code. Donc vous allez mettre votre montant que vous souhaitez transférer. Donc je vous montre. Là sur mon compte PayPal j'ai 0,15 centimes et il n'y a aucune activité. Donc on demande 1,35€. Oui. Il demande le prénom, voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Et mon adresse PayPal. Tac. C'est bon, il n'y a pas de faute. Ok. Donc là maintenant, vous allez pouvoir demander un paiement d'1,35€ à votre compte PayPal. Donc vous marquez l'adresse PayPal. Passez à l'étape 3. Merci de relire l'adresse PayPal. D'accord. Bon, ça c'est mon adresse PayPal, donc c'est bon. Validez l'adresse PayPal. Un paiement d'1,35€ par PayPal va être effectué en votre faveur. Et voilà. Donc là, vous avez effectué votre paiement. Donc normalement quand vous faites accueil, il est toujours affiché votre argent. Et quand vous faites maintenant dans mon compte, vous allez pouvoir voir une estimation, oui, une estimation de votre code. Donc là il y a marqué le paiement PayPal sera effectué toutes les 10 minutes, votre paiement sera réalisé dans 9 minutes maximum. Donc comme vous pouvez voir, ça peut aller de 2 minutes à 1 heure normalement. Mais très franchement, c'est toujours 9 minutes maximum ou quelque chose dans le genre, comme quoi c'est vraiment rapide rapide. Donc là bah, vous avez vraiment plus rien à faire à part patienter. Voilà, bon ben bah, je pense que je vais couper la vidéo et que dans 8 minutes on va reprendre pour vous montrer, hein. Allez, à tout de suite tout le monde. Voilà, nous revoilà après cette courte pause de 5 minutes. Bref, ah. Alors maintenant c'est bon, l'argent a été transféré, donc j'ai plus d'argent, hein, non. Ils m'ont pas volé mon argent, hein. Donc là, normalement, vous allez avoir zéro, hein. Donc c'est normal. Dans mon compte, ce n'est plus affiché votre demande de paiement. Et vous avez sûrement reçu aussi un mail. Un mail qui vous dit votre paiement est effectué à votre PayPal, blablabla. Bref, une fois que vous avez patienté et qu'il n'y a plus d'argent, vous allez sur votre compte PayPal. Bon, moi, il faut que je me reconnecte parce que la session expirée, vous connectez, votre session sécurisée, et là, comme par magie, attention, vous allez voir, ça c'est fort, 1,47€. Voilà, donc là, j'avais mis 1,35€. C'est quoi ça? D'accord, c'est rien. Bref, désolé. Donc là, c'est bon, votre argent a été transféré, et vous avez maintenant 1,47€. Bon, moi, au départ, je vous rappelle que j'avais 0,15 centimes, hein. Donc c'est pas très grave, mais voilà. Donc maintenant, maintenant, je vous ai enfin montré comment on transfère votre argent
via PayPal. Donc maintenant, vous savez tout faire. Et voilà. Bon, allez. À plus tout le monde. C'était Vikang.